Au sommaire de ce 7 minutes, industrialisation, la question des normes au cœur d'une rencontre. Deuxième édition du Focus PND, Bruno Nabagné-Koné livre les projets phares de son ministère. Et puis, quatre établissements vont bientôt sortir de terre dans la région du Bekaa grâce au financement du Millennium Challenge Corporation. Une conférence en plein cœur de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Dans cette salle bondée d'entrepreneurs, on évoque la question des normes relatives au développement des industries. Questions, analyses, réflexions, tous les moyens sont bons pour permettre aux chefs d'entreprise de comprendre l'importance d'un produit certifié afin de pouvoir pénétrer le marché mondial. Autant vous avez besoin d'un passeport pour voyager, autant les produits ont besoin d'un passeport qui est la certification. Pour assurer, bien sûr, le client qui est à l'extérieur. Pour avoir une certification, l'industrie doit respecter un certain nombre de principes. Si vous êtes récolteur de miel, apiculteur, il y a des normes requises. Je prends un exemple très simple. Si j'implante, ma culture d'abeilles à côté d'une plantation industrielle où il y a des pesticides partout, mais ça, ce n'est pas acceptable. On se rendra compte que votre produit sera tout de suite infecté, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a le bon sens derrière. Et puis, il y a des connaissances techniques qui sont nécessaires. Cette conférence s'est déroulée autour du thème « Enjeux et perspectives de développement de l'industrie ivoirienne à l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine ». Dans un jeu de rôle de questions-réponses, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est prêté à l'occasion de la deuxième édition du Focus PND, organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le ministre est revenu sur les points saillants du logement ivoirien, à savoir le déficit en logement en 2022, s'estimant à 600 000 unités, avec une demande supplémentaire de 60 000 logements par an. Quand nous comptons dans la ville d'Abidjan, les besoins de logements, c'est 600 000 logements. Nous sommes sur un programme de 150 000 logements, mais qui n'est que partiel. Mais pour que toute la ville d'Abidjan soit correctement logée, décemment logée, de façon sécurisée, hors de tout ce qui est installation anarchique, de tout ce qui est quartier informel, de tout ce qui est quartier précaire, etc., il nous faut 600 000 logements, 600 000 unités de logements. Vous voyez, donc ce que cela représente. Nous avons lancé un programme d'urgence qui est en réalité un projet pilote qui va porter sur 25 000 logements. J'ai bien aimé la franchise du ministre pour dire on reprend le projet, le fait qu'on a vraiment appris des erreurs du passé et qu'on part maintenant sur de nouvelles bases pour aller vraiment réaliser à bien ce projet. Parce que c'est dans l'intérêt, effectivement, bien sûr, donc, de tous les secteurs. Parce que quand on a dit quand le bâtiment va tout va, et aussi, quand on a mentionné aujourd'hui, qu'effectivement, les prix de logement, que ce soit en termes de prix de loyer ou le prix de l'accessibilité du logement, est très difficile au Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, le potentiel est là, donc les efforts sont là. Nous, on est prêts en tant que cimentier pour vraiment se joindre à tous les efforts du ministère, de l'État ivoirien, pour vraiment aller à bout. Pour la construction de ces logements sociaux, de la mise à disposition de ces logements sociaux pour les citoyens ivoiriens. Face à ce défi, le rôle du secteur privé est plus que crucial, a fait savoir le ministre, qui à travers ce cadre d'échanges directs devrait contribuer à renforcer l'accès à l'information et au dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Nous avons le savoir-faire au niveau du secteur privé, nous avons des entreprises fortes, structurées, et tout ce que nous attendons, c'est l'accompagnement aussi de l'État en termes fiscaux, mais aussi en termes de dispositions bancaires, pour permettre aux entreprises de réaliser ces logements-là au bénéfice de la population ivoirienne. L'objectif du gouvernement est d'atteindre la construction de 150 000 logements. Les pétards et feux d'artifice étaient au rendez-vous pour illuminer le ciel des deux plateaux vallons. La maison Palmier est désormais classée hôtel 5 étoiles dans le paysage touristique de sublime Côte d'Ivoire. Une cérémonie de pose de panonceau par le ministre du Tourisme Siandou Fofana a eu lieu mardi 14 mars 2023 dans les locaux de l'établissement. C'est un message de satisfaction, de bonheur, de joie et en même temps de félicitations à l'égard des investisseurs et promoteurs de ce bel ouvrage que nous venons d'inaugurer.
Et le gouvernement ne peut que se réjouir de telles réalisations sur le territoire ivoirien et précisément dans la belle et coquette cité de Cocody. Ça vient enrichir l'offre hôtelière et c'est le tourisme qui se sent bonifié. Et dans de telles conditions, nous ne pouvons que nous réjouir. Cet hôtel vient pour enrichir l'offre, mais surtout hisser notre pays au rang d'une destination mature grâce à de telles réalisations. Et chapeau aux investisseurs, M. Gandou qui est à nos côtés. Et tout d'abord, je voudrais remercier les autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le ministre qui nous a beaucoup aidés dans l'avancement de ce projet, qui nous a facilité, comme il a voulu si bien le dire, toutes les démarches administratives, sécuritaires pour pouvoir justement investir sereinement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le pays de ma famille, c'est le pays de la famille Gandour. Nous sommes très fiers d'apporter ce premier projet d'envergure en Côte d'Ivoire. La Maison Palmier dispose de 74 chambres pour lesquelles la designer sénégalaise Aïssa Dion a fait une sélection de textiles, de tapis personnalisés et de meubles sur mesure. La marque hôtelière compte 300 établissements dans le monde et Abidjan habite le premier en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les panonceaux, en fonction du niveau des prestations qualitatives d'hébergement, de gastronomie et autres commodités, sont apposés au fronton de chaque établissement. Les travaux de construction des collèges de proximité dans la région du Gbeke ont été lancés vendredi 11 mars 2023 dans le village de Tieplé, à 15 km de Boaké. Entièrement financé par Millennium Challenge Corporation, l'agence américaine d'aide étrangère, s'est donné pour mission de lutter contre la pauvreté dans le monde. Par la ministre Maria Tukone en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, axée sur l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations rurales. Ce projet de construction des collèges de proximité dans la région du Béké et de San Pedro, d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA, financé avec le soutien du gouvernement américain à travers le MCC, vise l'amélioration du capital humain, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à l'éducation pour tous. La directrice générale de MCC Côte d'Ivoire, Rajane Florence, s'est prononcée sur les caractéristiques des collèges qui seront construits dans les 4 villages de la région. Pour ce bassin. Oui, nous savons à quel point ce jour n'est pas un jour comme les autres pour Tieplé, pour les villages du bassin de Tieplé et pour tout le canton dranois. La construction de ces 4 établissements s'inscrit dans le cadre de la première phase du projet de construction de 20 collèges de proximité dans les régions du Gbeke et de San Pedro, dont 12 dans le Gbeke. Le coût total de ce projet est d'environ 26 milliards de francs CFA. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info.